Bonjour, bonjour, en route pour notre épopée vers le chapitre 16 des corrigés du marketing digital de A à Z. 16 chapitres sur 32, nous sommes juste à la moitié et coïncidence totale en termes de nombre de pages, nous sommes à la page 199 sur les 400, donc on a équilibré par un pur hasard, loi des grands nombres, on a parfaitement équilibré l'écriture de ce livre. Alors, sans plus attendre, passons au chapitre qui nous concerne. Petite mise à jour pour moi, je vous demande une seconde pour que ça se mette à jour. Bien sûr, toutes ces vidéos sont faites d'un trait, d'une seule prise. Je ne fais pas de montage pour accélérer le processus parce que 32 corrections, c'est un travail assez lourd. Donc j'essaie d'éviter l'editing, j'essaie d'éviter le iMovie, j'essaie d'éviter le Premiere Adobe. Donc j'essaie de faire une seule prise. Donc c'est pour ça, il y a quelques petits ratés. Je ne m'arrête pas pour autant. Et donc chapitre 16, comme je vous le disais. On va voir le titre du chapitre 16 dans une seconde. On est toujours dans la partie stratégie. Voilà, chapitre 16. Après la stratégie du chapitre 15, on passe aux outils du marketing digital au chapitre 16, avec comme d'habitude des questions. Alors, exercice, je lis l'exercice, hein, soyons bêtement scolaires. Je vais vous agrandir cette chose-là. Hop là. Comme précisé dans les chapitres précédents, au cas où vous n'avez toujours pas fait l'effort, allez faire un tour sur l'excellent site qui répertorie plus de 1000 outils MarTech. Ah ben là, je m'aperçois que je ne l'ai pas fait, je vais devoir le faire en direct, mais ça ne pose aucun problème, puisque l'inscription est faite et tout est fait. Et prenez une catégorie, établissez une shortlist de 5 outils dans la catégorie CRM, puis dans les CRM, choisissons les spécialistes des campagnes de communication en masse et des campagnes omnicanales. Et ensuite, chercher un logiciel de Salesforce Automation en B2B pour une entreprise française qui opère dans le domaine du conseil. Donc voilà, le brief est tout simple, tout clair. Donc moi, je vais maintenant dans MarTech, les outils de MarTech Map. Voilà, parfait. On va y arriver. Je ne sais pas si je dois me loguer. Non, j'étais déjà logué. Donc tout va bien. Je vous rappelle qu'on est sur quelque chose comme normalement 13 000 acteurs. J'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait à jour. Voilà. Il me dit qu'il ne trouve rien, mais c'est peut-être normal. Voilà, on a nos. Ah, on est passé. Voilà, 13 080 acteurs. Donc, je vous rappelle que maintenant, on cherche un CRM. Donc, on va aller dans la catégorie CRM. Est-ce qu'on peut le taper ici? Donc, CRM, voilà, hop, on a les CRM. Comme c'est pour une entreprise française, on va prendre, bah, pourquoi pas, une entreprise française. Donc voilà, cherchons du CRM français. On n'a plus que Atemis, que je ne connais pas. Let's Connect, Cross CRM, celle-ci, que je connais très bien. Corporama, Temello, que je ne connais pas. FTS, que je ne connais pas. Graphinium, que je ne connais pas. Marketing One by One, c'est pas mal. Break Cold, Crisps. Alors, comme c'est toutes des boîtes françaises, on va le prononcer à la française. Hein. So Close, c'est pas mal. Folk, pardon. Cori MB à nouveau. Cool CRM et Salz. Donc voilà, vous avez là. Et j'ai envie, moi, de m'orienter vers celle que je connais déjà un petit peu, qui s'appelle celle-ci, qui reprend un petit peu le logo de Salesforce, l'espèce de nuage avec un graphique à l'intérieur. Et voilà, on a fait notre sélection d'outils marketing. Donc, partie exercice 1 fini, fait à la volée. Désolé, encore une fois, on fait ça en direct live, un peu comme si on était sur Twitch. Je ne sais pas si vous connaissez Twitch, mais très très bon outil, filiale d'Amazon et extrêmement intéressant. Donc, maintenant, passons à une autre partie d'outils.
avec pas mal d'IA. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc on va aller titiller quelques outils d'IA. Et pour titiller l'IA, bien sûr, il faut une question qu'on appelle un prompt. Et le prompt doit être écrit d'une certaine manière. Alors j'ai préparé ça juste avant. Je dis la chose suivante dans le prompt. Toujours donner un contexte, un rôle à l'IA. Donc tu agis comme un spécialiste du marketing digital. Voilà. Tu peux t'inspirer des idées de Gary V, Gary Vaynerchuk et Seth Godin. Comme ça, on a des auteurs assez récents. On ne veut pas du Kotler, on ne veut pas du McCarthy, on ne veut pas des vieux auteurs, hein, on veut du neuf. Tes réponses seront accompagnées de sources universitaires ou journalistiques, qu'il n'aille pas nous attraper n'importe quel blog qui dit des bêtises. Essaye d'éviter les lieux communs de Wikipédia, on ne veut pas la définition de Wikipédia des différentes choses. Et dans ce cadre, c'est le contexte, peux-tu répondre à la question suivante? Comment une entreprise traditionnelle peut-elle devenir moderne en moins de 12 mois? Voilà la question que je pose. Donc, je l'ai traduit en anglais très rapidement. Donc, je copie ça et je vais dans mon premier outil que vous commencez à connaître qui s'appelle Léo. Léo est l'outil d'intelligence artificielle qui vient avec le navigateur Brave, brave.com. Et voilà, on lui pose la question et on va voir ce qu'il nous répond. Alors, il nous dit bien sûr Embrace Digital Transformation. Foster a culture of innovation, build strong online presence, focus on customer experience, partner with startup and fintech companies. Écoutez, ces cinq conseils me paraissent tout à fait judicieux et à chaque fois, ils nous parlent de TechCrunch, de Forbes, de Entrepreneur, de HBR, la Harvard Business Review et encore une fois de Forbes. Donc très bien. Il nous dit, rappelez-vous que devenir une entreprise moderne en 12 mois requiert un engagement et une adaptation aux nouvelles technologies. En suivant nos étapes, vous serez focus, vous serez concentré sur vos objectifs, etc. Voilà, une réponse que je juge assez pertinente. Et on a les sources en dessous. Donc voilà. Alors c'est l'IA la plus basique du monde, l'IA gratuite, elle s'appelle Léo, personne n'en parle, c'est un tout petit LLM, donc je dirais que c'est vraiment la réponse du béaba, quoi. C'est l'IA pour les nuls, avec Léo, c'est vraiment d'une simplicité totale. Alors, je n'ai jamais testé Léo en français, alors si vous permettez, je vais prendre la phrase en français et je vais la tester sur Léo pour voir si sa réponse est intelligible. Il me semble que Léo ne parle pas français. Donc voilà, il me fait la même réponse, il me fait, donc il a visiblement, il a fait la traduction de ma phrase en français et il me donne exactement la même réponse que la précédente en anglais avec exactement les mêmes sources et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, Léo, à mon sens, a très bien répondu et je vais même mettre ça, je vais même copier sa réponse et la mettre dans mes notes parce que je juge qu'elle est extrêmement bonne. Donc je dis c'est Léo qui a fait ça et je copie ça. Ça me paraît être une excellente idée. Donc voilà, je peux fermer Léo et passons maintenant sur Bard. Donc Bard appartient à Google. Bard est d'une puissance incommensurablement supérieure à. Zut, j'ai ouvert une fenêtre qu'il ne fallait pas ouvrir. Non, j'ai complètement raté ma manipulation. Je vous prie de m'excuser. Voilà, il suffit de fermer ici, ça suffit largement. Voilà, c'est fermé. Donc, hop, je passe ici et je vais coller la question en français. Tu agis comme un spécialiste du digital. Voilà, donc la même question. J'envoie ma question dans Bard de Google, qui est encore une fois 1 000 fois plus puissant, ou 10 000, je n'ai pas l'ordre de grandeur, mais 10 000 fois plus puissant que le petit Léo. Donc voilà la réponse de Bard. La transformation numérique, bon, déjà, il a traduit transformation digitale par numérique, est un défi majeur pour les entreprises traditionnelles. Celles-ci doivent se réinventer, donc très bien, pour répondre aux attentes de leurs clients. Selon Gary Vee, une entreprise moderne doit être censée se centrer sur l'humain, très très juste. Créer des expériences significatives pour les clients, très très juste. En s'appuyant sur les techniques numériques, technologies numériques, très juste.
Pour cela, elle doit adopter une culture de l'innovation et de l'expérimentation. Très juste. Selon Seth Godin, l'entreprise moderne doit être authentique, un peu moins pertinente, transparente, ça oui, sur ses valeurs et ses actions. Pour ce faire, elle doit communiquer de manière honnête. On a retrouvé cette communication honnête du côté de chez Salesforce. Donc toujours très très bon conseil. Voici quelques conseils pour devenir moderne en 12 mois. Analyser la situation actuelle, définir la vision. Donc là, on est sur un plan stratégique classique. Hein. Analyse, objectif, mettre en place un plan d'action concrète. Donc là, on est vraiment dans du foutage de gueule total. C'est ce qu'on pourrait dire à n'importe qui, on disait, qui dirait j'ai un objectif à poursuivre, que faut-il faire? On lui dirait 1, tu commences à analyser, 2, tu te fixes un objectif, 3, tu mets un plan d'action simple, tu mets des projets simples et réalisables, tu mesures les résultats. Donc ça, c'est vraiment de la tarte à la crème complètement indigne de Bard. Et voici quelques exemples de projets concrets que vous pouvez mettre en œuvre. Donc, mettez à jour votre site web, intégrez le marketing digital, formez vos équipes. Donc, ça, c'est pas mal. Mais encore une fois, je suis très, très, très déçu là par la réponse de Bard, qui est, à mon sens, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais à mon sens, moins bonne que le tout basique, tout simple Léo. Et encore une fois, hein, je ne fais pas une compétition les uns avec les autres, hein, mais là, on juge sur pièce. Et je trouve là Bard très 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 décevant. Alors je lui donne une seconde chance avec la version anglaise. You act like a digital marketer et on lance cette requête. Est-ce qu'il nous fait un peu à la manière de Léo la même réponse que ce qu'il a fait en français? Là je pense pas, il a l'air un peu plus. Non mais pareil. Assess your current situation, define your modernity vision, develop a practical action plan, prioritize ceci, cela. Un peu plus précis, embrace data-driven decision making, cultiver une culture d'innovation, investir dans les talents, c'est pas mal. Embrace continuous improvement, donc l'idée du Scrum, l'idée de l'agilité, on est en process d'innovation et en test and learn permanent. Collaborate with digital experts, ça c'est très bien. Celebrate successes, donc ça c'est pas mal. Remember, la modernisation ne consiste pas à abandonner les core values de l'entreprise. Bon, c'est un petit peu mieux en anglais, mais là on se pose la question de savoir s'il y a vraiment une vraie réflexion, parce qu'une réponse différente en français et en anglais montre qu'on est vraiment dans du large language model, la manière stochastique, c'est-à-dire qu'il invente les mots qui vont derrière. Alors que nous, ce qu'on souhaiterait, ce que Léo a fait, c'est qu'il a fait une réflexion dans une langue et après il l'a traduit dans toutes les langues. Parce que cette réflexion, si elle est bonne en français, elle est bonne en anglais, elle est bonne en allemand, elle est bonne en italien et dans toutes les langues. Donc là, encore une fois, doublement déçu par Bard. C'est vrai qu'ils mettent expérimental, donc bon, on ne peut pas leur en vouloir. Passons du côté de chez Microsoft avec notre fameux Bing de Microsoft et l'excellent, soi-disant, Copilote. On va le tester, hein, on va voir avec la même recherche ce qu'il nous donne. Donc là, c'est l'article de chez Microsoft d'il y a à peu près un an qui nous disait on va réinventer le search avec le AI-powered Microsoft and Edge avec Copilot. Donc voilà l'article. Je vous laisserai lire l'article si vous en avez besoin. Et là, on se retrouve dans Microsoft Bing. Et on a deux modes de recherche. Donc bien sûr, comme d'habitude, hein, images, vidéos, les maps, en shopping. Mais là, on a deux modes de recherche. La recherche simple à la Google. Et puis maintenant, la recherche Copilot à la mode IA. Donc là, Ask Me Anything. On appelle ça aussi AMA. AMA. Ask Me Anything. Donc j'y vais. Choose a conversation style, donc je vais prendre un more precise, et on y va, je lui colle, je vais le faire comme pour Bard, d'abord en français. Tu agis comme un spécialiste du marketing digital, donc je lance ma demande, et que me répond Copilot? Donc Copilot, je vous le précise, fonctionne sur ChatGPT 4. Ah, ça c'est intéressant. Adopter une stratégie de contenu, selon Gary V, le marketing de contenu est efficace.
Utiliser les médias sociaux pour le marketing. Gary V souligne l'importance des médias sociaux. Se concentrer sur l'unicité. Alors ça, j'aurais dit que c'était plutôt une idée de Seth Godin, mais pourquoi pas de Gary V. L'importance de l'unicité. Attirer l'attention sur la vache pourpre, donc la Purple Cow. Donc ça, c'est un titre de bouquin de Seth Godin. Attirer quelque chose qui est vraiment différent. Adopter un excellent slogan. Bon là, je dirais, on pourrait se passer d'une telle surmonter d'une telle platitude. Hein, surmonter les obstacles hérités. Donc là, effectivement, si on est traditionnel, il faut changer un petit peu de mindset, de point de vue, et être prêt pour l'avenir. Alors, selon McKinsey, les entreprises prêtes pour l'avenir savent ce qu'elles sont, qui elles sont et ce qu'elles représentent, etc., etc. Donc, bon, une réponse pas mauvaise. On va la tester en anglais pour voir ce que ça dit. Puis après, je pense que vous avez compris le principe. On va pas multiplier à l'envi. Donc là, il me fait le même principe, hein. Il cherche Gary Vee, il cherche. Alors Gary Vee, c'est un penseur très, très 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 intéressant. Il a commencé, Gary Vaynerchuk, son nom complet, il a commencé dans le commerce online de vin pour le commerce de ses parents. Donc il est immigré russe, il est arrivé à 2 ans, 2, 3 ans aux États-Unis, je pense. On lui a dit, ben, vendre du vin par Internet, c'est complètement impossible. Il a fait un business de plus de 100 millions de dollars en vente de vin par Internet, en e-commerce. Et maintenant, il a une très très grosse agence de conseil en marketing digital. Et il est très très fort, notamment en NFT, en Web3, en crypto et bien sûr en réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important chez eux. Et donc là, c'est rassurant. Bing, ah, mais il met même une petite iconographie. Donc ça, c'est la tête de Seth Godin, hein, le monsieur propre du marketing anglais, enfin américain plutôt. Mais il me fait la même réponse qu'en français. Enfin, il nous propose la même réponse qu'il l'a fait en français, mais traduite en anglais, ce qui montre bien que Bing et Léo, contrairement à Bard, ont un moteur d'intelligence au-delà du langage et qu'il traduit son contenu ensuite en français ou en anglais, mais que lui, il réfléchit de la même manière que la question soit posée, et c'est rassurant, hein, que la question soit posée en anglais, en espagnol, en portugais ou n'importe quoi. Donc il nous fait à peu près la même chose et on a les sources académiques, donc voilà les sources, c'est assez bien fait, il faut le reconnaître. C'est pas mal du tout, on a du Blinklist, on a du Paper Content, on a du McKinsey, donc bon, rien à dire là-dessus. Encore une fois, du McKinsey, à chaque fois McKinsey, là toujours McKinsey, donc il est assez fan de McKinsey. Bon, très très bien, pas de souci. Voilà une bonne recherche. Donc encore une fois, on ne va pas multiplier les recherches. Vous en avez compris le principe, et donc là, on a bien regardé les outils. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au dernier exercice. Donc ici, outils stratégiques s'il en est. Alors là, attention, ça va être très légèrement déceptif et je m'en excuse par avance. Outils stratégiques s'il en est, Funnelytics vous permet de modéliser votre entonnoir de conversion qui transforme les inconnus en prospects, puis en clients et enfin en ambassadeurs. Funnelytics.io. Et là où c'est très 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 déceptif, et je m'en excuse très sincèrement, la version gratuite de base vous permet de faire beaucoup de simulations. C'était vrai en octobre 2013 lorsque j'ai écrit ces lignes. Malheureusement aujourd'hui, janvier 2024, 2023, excusez-moi quand j'ai écrit ces lignes, janvier 2024, eh bien ce n'est plus vrai. Donc on va avoir du mal, je vais vous le montrer de manière statique, on ne pourra pas le gérer de manière dynamique. On fera sur le site internet Marketing Digital AZ une correction pour expliquer quelle sera la nouvelle modalité pour remplacer Funnelytics. Malheureusement, voilà, quand on arrive, vous voyez, Creative of Work, vous le voyez en filigrane, j'avais des dizaines de sales funnel remplis, et voilà ce qu'il nous dit. Depuis le 1er janvier 2024, we are shifting, eh bien, il shift vers quelque chose de payant.
à 29 $ par mois et c'est contre mon éthique de payer pour des outils de démonstration. Donc malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer en live ce que propose Funalytics. Néanmoins, je m'en suis suffisamment servi dans le passé pour vous montrer tout ce que j'ai pu faire. Et le grand principe de Funalytics, c'est de, comme son nom l'indique, un funnel entonnoir de vente, c'est de vous modéliser l'entonnoir de vente. Et là, donc, vous avez tous les entrants, tous les visiteurs uniques, toutes les personnes qui viennent, que vous avez acquis, soit par emailing, soit par la pub, soit par du search, soit par des mots-clés payants, soit par du display, soit par de la vidéo. Enfin bon, toutes les sources sont possibles. Et vous allez modéliser dans Funalytics toutes les sources. Donc là, vous voyez, on fait un emailing. Ça entraîne des posts sur LinkedIn. Pardon, ça entraîne la lecture de posts sur LinkedIn. À l'issue du post sur LinkedIn, les personnes peuvent cliquer sur un bouton et arriver sur la chaîne YouTube et voir ce qu'on a dit sur YouTube. Et ensuite, pareil, soit des Facebook Ads, soit de l'emailing, nous envoie vers la page de cours. C'est un sales funnel, donc un entonnoir de vente. Pour vendre des cours sur Internet. Donc ça, c'est un premier exemple. Et la version payante de Funalytics, à l'époque, donc aujourd'hui, elle est doublement payante, j'imagine, nous permettait de connecter notre Facebook, par exemple, à Funalytics, de connecter notre page de vente, notre landing page à Funalytics et de pouvoir avoir en temps réel le nombre de personnes qui arrivent par ce créneau, par ce canal, par cette insight, par cet emailing. Et donc, on pouvait avoir la provenance de toutes nos sources en un seul endroit, mappées de manière magique dans ce fameux Funalytics. Voilà un autre schéma, alors celui-là extrêmement simple. On fait des pubs Instagram, on fait un concours Instagram, on fait un post Facebook. Et suite à tout ça, eh bien, ça va tomber sur une vidéo que les gens peuvent lire. Ça les emmène sur une page web de notre e-shop. Et puis ensuite, ils sign in, ils scroll, ils cliquent, ils add to cart et ils purchase. Et là, on pourrait avoir, en connectant Funalytics à notre Google Analytics 4 ou à différents fichiers JavaScript que l'on pourrait mettre à l'intérieur de nos pages, ça va nous peupler tout ça en disant, eh bien, il y a eu 3 000 impressions Facebook, 10 000 impressions Instagram, 5 000 vidéos vues, ça donne 500 visites du e-shop, etc., etc. Et donc, on a toute la déclinaison. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça nous permet, en voilà une encore plus simple, hein. On a du Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Et puis, on passe au site Internet, à l'inscription, au webinar. Et puis, on voit qui vient au webinar avec un taux de show, no show. Et on a une idée de la provenance de nos clients. Donc, ça, c'était extrêmement intéressant à faire. C'est un grand exercice qu'on appelle un exercice de contribution. Contrairement à l'attribution qui, elle, parle plus du dernier clic, la contribution consiste à dire qu'il y a eu un emailing, il y a eu une campagne de clic SEA, Search Engine Advertising, sur AdWords. Enfin, pas AdWords, maintenant c'est Google Ads, mais on continue à l'appeler AdWords parce que le mot était trop trouvé. De la online vidéo, de la publicité online sur de la vidéo sur Facebook, du display sur Audience Square, du native advertising sur My Little Paris, du social click sur Facebook, des campagnes d'impression et de reciblage sur Teads. À nouveau un Google Ads, et puis on est capable de dire que ça représente 5%, 10%, 15%, etc. Et on a une vision très claire de qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent, qu'est-ce qui nous rapporte des clients ou pas. Donc voilà, on a fait le tour des questions de cette fameuse partie 16. Encore toutes mes excuses sur Funalytics. Désolé, comme vous l'avez vu, ils ont changé de politique au 1er janvier. Moi, je m'en servais depuis 4-5 ans avec grand succès et grand plaisir. Malheureusement, ce temps est révolu. On vous mettra sur le site
le remplaçant de Funalytics. Donc je vais le chercher, j'ai cherché rapidement, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé des modèles moins bons ou payants et moins bons ou gratuits et inutiles. Donc je n'ai pas trouvé d'équivalent pour l'instant à Funalytics. Donc nous en restons là pour aujourd'hui, mais néanmoins, merci d'avoir suivi ce corrigé de l'épisode 16. Et je vous dis donc à très vite dans l'épisode 17.